Tsugi 18. Salut à toutes et à tous, c'est Gobragourou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière partie du chapitre 1 de la campagne sarrasin. Et on en est toujours au point où on doit faire brûler ses tentes, et c'est quand même assez galère. Hein. Mais bon, on va y arriver, hein. On va prendre le temps qu'il faut, mais on va y arriver. Parce qu'il faut s'occuper des patrouilles. Eh, le problème, il est là. This way. Il faut que je me cible les... Oh. Non mais vous plaisantez. No time to waste. Que comme ça. Il faut que je me prenne une escouade à chaque fois. Let's go. No mercy. Ils arrivent à l'éteindre ou elle brûle? Bon, elle est comptabilisée comme brûlée. Je ne peux pas attaquer les lanciers, hein, on a compris. Enfin, les lanciers, je peux les attaquer toujours, mais. Some deserters are still trying to escape. Don't let them. There is no escape from the wrath of Allah. Vous avez vu, hein, les lanciers, ils me font beaucoup de dommages. C'est hallucinant. Ah, ça me gonfle. Ah ouais, je m'en doutais. Je peux pas les faire traverser. Faire perdre. Ouais, je suis obligé de les enlever de formation défensive. Oui, vous voyez la différence? Les soldats au bouclier contre les chevaliers, ils tiennent pas. Et contre les... Eh ouais, j'en ai perdu une. Ils m'en ont éliminé une.
Ah, je suis pas content là. Good job, brothers. More deserters are facing Allah's justice. It should be calmer for a while. Cavalry, fly back away. Enemy spotted. Oh, c'est de pire en pire. Ça devient difficile là. Je suis censé faire comment moi? Allez, deux tentes. Bah non, on veut pas. Allez, plus qu'une. C'est cool de venir, hop, on vient, on se fait soigner. Bon, il faut que j'y arrive là. Il y a un trou, il y a un trou quelque part. That's the last of them. It should be calm, at least for now. Oui, ça fait bon. Cavalry, on me. Fly like a wind. I'm done waiting.
to move. They don't stand a chance. Come and taste my steel, you fucking cunts. Die in the flames, godless villain. The sun rises. Today will be the day of a great triumph for Allah. Brothers, you did well. We will withdraw the rest of our forces. Let them roll up their camp and take a walk in the burning sun once more. Spears! Brothers, let's talk! More action! No time to waste! Oui, oui, ben, tu attends, tu attends. Désolé les amis, hein, mais je veux terminer cette partie, ce coin là, donc il faut que je passe par ici. Trop risqué de passer par ailleurs. This will all be over soon. The Crusaders are marching for the second day in a row without any water or protection from the sun. Imaginez les mecs, ils étaient en armure de métal. Côte de maille et tout. Boucliers. Brothers, Allah gave us this day of victory as a reward for our prayers. Today, we will break the Christian forces. Follow me! Let us show them the wrath we have carried in our hearts for almost 100 years! Today, we begin the march to retake Jerusalem! Cavalry, on me! Enemy spotted! Je suis désolé, ça commence bien. Il faut déjà, comme je vous l'ai déjà montré, hein. Alors, pas d'archer par contre, ça c'est, j'aime beaucoup moins. Alors qu'est-ce qu'il a lui? Ajoute de l'XP affaibli provisoirement les ex-squads alentours. C'est vraiment... Cavalry of the Crusaders.
Alors vous m'expliquez pourquoi Saladin est de niveau 2? Vous êtes sérieux hein? Je vous ai dit, il y a des moments, il y a des choses qui vont pas du tout. C'est le chef de l'armée, il est de niveau 2 seulement, il était de niveau 1. Bon, eh ben, je suis bien content. On a terminé le premier chapitre, donc ça m'aura fallu 4 vidéos je crois, je sais plus. Je suis désolé, j'enregistre tout d'un coup moi, hein, donc j'enregistre tout d'un coup et après je saucissonne. C'est pas du pâté en croûte, hein, c'est du saucisson à l'ail ou à la noisette comme vous voulez, on s'en fout. Mais bon, ben voilà, hein, bien. C'est vraiment sympathique, c'est un peu différent de ce qu'on a eu jusqu'à présent. Et je pensais moi au départ qu'on aurait que des escouades montées, et puis non, vous l'avez vu, on a récupéré aussi des lanciers, donc on verra bien ce qui va se passer dans la suite de cette campagne des Sarrasins, et on fera ça, on attaquera le chapitre 2 dans la prochaine vidéo de Ancestors Legacy. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, amusez-vous, jouez beaucoup, prenez soin de vous et portez-vous bien, et à la prochaine, salut, bye bye.